Madame et messieurs, chers téléspectateurs, merci pour savoir nombrer à ce premier numéro de notre magazine Véracité. Véracité pour vous donner toutes les informations sur l'actualité évoluant au niveau du pays qu'au niveau international. À ce premier numéro, nous allons recevoir pour vous Monsieur Moïse Ngongolo. Monsieur Moïse Ngongolo est le président national du parti kabyliste et aussi ancien compagnon de M. Laurent Désiré Kabila, le fait M. Laurent Désiré Kabila est ancien ministre de son gouvernement. Alors, bonjour M. Moïse Ngongolo. Bonjour. Vous êtes président du parti kabyliste, parti de l'opposition. Le patriote kabyliste de M. Voilà. Président du parti dénommé patriote kabyliste de M. Laurent Désiré Kabila. Tout à fait. Vous êtes membre de l'opposition, pas plus tard que hier, votre regroupement où vous faites partie s'est retrouvé à Fatimah pour lancer la signature d'une pétition. Une pétition destinée à Obama où vous demandez à ce que le président Kabila ne puisse pas en fait passer en cours d'élection de 2016 pour le troisième mandat. Et ce n'est pas une faiblesse de l'opposition qui pense que la solution va provenir de l'extérieur du pays. Bon, d'abord, cette pétition, c'est aussi pour défendre à ce que Joseph Kabila ne puisse pas aller participer à la réunion du 4 août. C'est pour cela que c'est adressé au président Obama. C'était très très important. Nous ne pensons pas que Obama va militer ici pour que Joseph soit parti. Pour que Joseph parte, non. C'est nous qui devons le faire. La responsabilité est encore la nôtre, mais informer les autres, c'est aussi bon. C'est aussi bon. Les mobiliser pour lui couper le chemin, c'est aussi bon. Ça aide. Nous l'avons fait avec Mobutu. Et ça nous a réussi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec Joseph Kabila? Ce n'est pas une faiblesse. Nous pensons que la vraie force vient du peuple. Et nous allons continuer à faire cette mobilisation du peuple, pas de l'extérieur. Ça, ce n'est qu'une pétition. Une pétition, c'est, dans ce cadre ici, c'est une information, parce que on va inviter les présidents africains et nous ne voulons pas qu'on lui donne ces privilèges. Nous sommes clairs. Et pourquoi l'opposition congolaise est si pressée alors que le président Joseph Kabila ne vous a jamais dit officiellement qu'il va postuler encore une fois? Oh, mais écoutez, on connaît les intentions. Il est en train de chercher des mécanismes pour rester. Mais quand Bocha vous passe pour parler de quoi, du changement de la Constitution, vous pensez que les autres articles les intéressent? Ils ne vont pas changer d'autres articles. C'est essentiellement le mandat du président de la République. Est-ce voilà. que, parce que vous avez parlé du PPRD, autour de son secrétaire général Évariste Boshab, ils se sont réunis pas plus tard qu'avant-hier pour réaffirmer encore leur détermination à soutenir la révision constitutionnelle. Est-ce qu'ils ont tort vraiment de penser un parti mort? Ils se sont réunis. Est-ce que le PPRD existe encore vraiment? Il n'a qu'un secrétaire général. Je vais répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont tort? Oui. Parce que la Constitution ne leur permet pas ça. Les articles verrouillés, c'est eux qui ont créé ça. Ce n'est pas nous. C'est eux qui ont créé les articles verrouillés. Maintenant, ils vont aller chercher les pinces et les couteaux pour pouvoir déverrouiller ça. Les articles verrouillés eux-mêmes prévoient leur propre mécanisme pour être révisés. Non, mais il n'y a pas un mécanisme. Mais quand c'est verrouillé, c'est verrouillé. Quel est le rôle du référendum populaire? Cette constitution est allée au référendum populaire. Je vais répondre à ça. Mais j'aimerais vous rappeler. Est allé au référendum populaire en 2005. En 2006, c'était une bonne constitution. Je vous informe que moi, mon parti, le PK, était contre cette constitution parce que nous sentions qu'il y avait des choses que ce gouvernement ne pouvait pas faire.
de deux. En 2000, elle était bonne en 2006, quand on a voté Joseph Kabila Mbo, entre guillemets. Elle était bonne en 2011, quand on l'a élu, entre guillemets. Maintenant, il y a 2016 ici, dans une année, cette constitution devient mauvaise pour eux, tout d'un coup. Ça veut dire quoi? Nous sommes bêtes ou quoi? On veut la déverrouiller, pourquoi? En tant que majorité, c'est aussi parmi leurs stratégies pour pouvoir encore gagner prochaines élections. Oui, si cela n'est pas en dehors de la Constitution. La Constitution permet que la majorité puisse continuer, mais pas avec le président actuel. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre Beauchamp là-bas ou je ne sais pas qui, en fait, qui va se battre contre nous? C'est très simple. Mais l'actuel président, la Constitution dit non. Leur propre Constitution dit non. Et nous allons, mordicus, insister sur ça. Ce n'est pas acceptable. Écoutez, l'Afrique, ça fatigue finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser un pays respirer? Parce que l'alternance, c'est laisser le pays respirer. C'est bon pour la santé du pays, c'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour l'avenir. On ne peut pas garder quelqu'un pour de bon. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une rébellion pour que les choses changent? C'est pas nécessaire. Ce n'est plus nécessaire dans l'histoire. Tous les pays, maintenant, commencent à adopter cet élan qu'il faut qu'il y ait l'alternance. Il ne faut pas commencer à manipuler la Constitution. Ce n'est plus acceptable en Afrique. C'est pour cela que vous planifiez déjà la tenue de meeting populaire. Vous croyez que la majorité va céder à la tenue de ce meeting, que vous Thérèse. Voilà, écoutez, s'ils vont empêcher ça, qui va perdre? C'est pas nous. Si c'est là, nous voulons réunir le peuple. Mais si eux, ils vont venir empêcher ils ça... Ils ne vont pas empêcher, mais ils vont éviter. Ce n'est pas dans notre intention. Il faut communiquer à la population. Cette population est fatiguée, vous ne pensez c'est pas? Si le message n'est pas opportun, comme ils le prétendent, la majorité, ce message-là sur le retour de Kabila en 2016, sur la révision constitutionnelle, alors que les échéances ne sont pas encore même proches, vous acharnez là-dessus. Mais c'est notre travail en tant qu'opposition. C'est inopportun, selon la majorité, c'est leur avis, mais c'est notre travail, c'est notre devoir de pouvoir informer le peuple sur la réalité du gouvernement. Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes défaillants. Nous allons commencer à faire les meetings et les marches. Nous avons décidé ça consciemment. Et s'ils vont nous empêcher, je ne pense pas que c'est nous qui serons perdants. Oui. La question qui se pose présentement à l'opinion publique, c'est de savoir en quelle opposition aujourd'hui cette population peut placer sa confiance. Celle qui est fractionnée, celle qui est aujourd'hui divisée. Oui, bon, je venais encore d'en parler avec vos collègues journalistes. Dites-moi un seul dirigeant pour tous les opposants. Ce pays-là n'existe pas. Même pas les États-Unis. Ça n'existe pas. Mais le cas de notre pays, c'est un leader de leadership. Vous êtes vraiment... Non. L'essentiel, c'est d'avoir des gens qui veulent que le gouvernement puisse changer. Sans un programme commun. Non, le programme... Écoutez, nous sommes nombreux dans cette opposition. Même quand je suis avec l'UNC et d'autres alliés, moi j'ai un projet pour mon parti, j'ai un projet de la société, ils ont aussi un projet de société. Nous ne pouvons pas être les mêmes, mais notre idéal ensemble... C'est d'abord de faire partir ce qu'il y a comme gouvernement. Écoutez, quand on a fait partir le président du Kenya, on a appelé l'opposition Rainbow, c'est-à-dire arc-en-ciel. Pourquoi on a appelé ça arc-en-ciel? C'est parce qu'on sait qu'il y avait des gens qui avaient des différentes idées, c'est des différentes couleurs. S'il vous plaît, M. Mouzangour, n'est-ce pas ça votre faiblesse? Non. Alors que la majorité qui est devant vous a un programme commun autour de leurs leaders qui sont parfois communs. Tout ça est normal. Devant une opposition divisée avec des programmes. Tout ça est normal. Ceux qui sont à la majorité présidentielle,
ce sont des gens qui sont en train de bouffer avec le président, en fait, qui sont en train de travailler avec le président. Ils n'ont aucun intérêt. Et vous trouvez qu'ils vont vous laisser le pouvoir dans la rue comme non, ça? Non, 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 je m'excuse. Responsable qui doit prendre Là, vous m'avez un peu interrompu. Donc, ils ont tout intérêt d'être ensemble. Parce que l'édifice peut tomber s'ils commencent à se contester. Ils ont tout intérêt. Ils sont obligés d'être ensemble. Mais nous, on est des atomes libres. On ne peut pas nécessairement être ensemble. Et ça, il faut le comprendre. Et je vous dis que c'est universel. Ils ne vont pas nous laisser la voie facile. Ça, c'est vrai. Ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est une lutte. La lutte politique, elle est comme ça. Mais au Sénégal, vous pensez que l'opposition était monolithique? Elle ne l'était pas. Mais ils ont renversé Ouad. Donc, c'est la vie normale politique. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Congolais s'acharne à dire l'opposition n'est pas une. L'opposition n'est pas. Pourquoi elle devrait être une? Mais l'idéal de pouvoir changer les choses dans le pays, si tout le monde porte ça, c'est important. Voilà. Mais ce qui étonne aussi, c'est que vous vous acharnez juste sur le mandat de Joseph Kabila, alors que la majorité dans son camp est en train de s'organiser pour les élections de 2016. Mais nous constatons une faiblesse, une largesse dans l'opposition, au point que jusque-là, il n'y a aucune organisation en rapport avec les élections de 2016. Quelle organisation vous voulez avoir? Nous allons avoir ce meeting-là. Les 4 août, alors, ça sera où? Bon, je ne connais pas encore l'endroit, mais... Ils ont parlé du terrain de Sainte-Thérèse. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, alors, il y aura ces meetings-là. Et vous allez dire que ces gens qui vont faire un meeting ne sont pas organisés? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Les gens ont des différentes tendances. On ne peut pas les empêcher. Ça, c'est vrai. Mais tant qu'ils veulent un objectif, c'est-à-dire que ça doit prendre fin. Ce régime doit prendre fin d'une manière constitutionnelle. Et j'insiste sur ça. D'une manière constitutionnelle. Avant ça, nous n'allons pas nous agiter. On ne va pas s'agiter. Mais nous faisons nos meetings pour informer la population, pour parler avec eux, pour leur donner l'espoir. C'est très important ça. Sinon, l'opposition n'aura pas de rôle. Sinon, l'opposition n'a pas de place. Si on ne parle pas à la population. Aujourd'hui, tantôt, élection. Aujourd'hui, tantôt, Kabila doit d'abord quitter. Aujourd'hui, tantôt, l'accord cadre, l'opposition. Qu'est-ce que vous revendiquez? Qu'est-ce que vous cherchez précisément? Bon, je ne peux parler que pour mon parti. Hein, sur cette question de respecter la Constitution. Telle qu'elle. Et l'exécuter telle qu'elle. C'est ça notre combat. Et en rapport avec les élections de 2016, vous êtes prêt à affronter... Ah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, nous serons nombreux, il y aura beaucoup de candidats. Et on est prêt à se battre. C'est ça la vie politique. Elle est toujours comme ça partout. Mais qu'on ne représente pas Joseph Kabila. Ça, la Constitution ne le permet pas. Voilà. Votre problème, M. Moïse Ngongolo, c'est le président Joseph Kabila. Non, c'est la Constitution, c'est le problème de la Constitution. Il l'a dit à maintes fois, et tel que moi je le connais, depuis qu'il a la tête du pays, il a été toujours respectueux de la Constitution. Oh là 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 là. Et c'est ce qu'il a toujours dit, c'est ce qu'il a toujours dit. Je ne veux pas faire sortir des termes ici. Là, vous me provoquez. Bon, je ne sais pas ce qu'il a respecté. Où est le gouvernement? Il l'a dit pas avec précipitation, parce que nous avons vu au sein de la majorité. Au sein de la majorité. Après toute une année, écoutez, les ministres sont démissionnaires. Ils ne fonctionnent pas. C'est lui qui a déclaré qu'ils étaient démissionnaires. Joseph Kabila, c'est un stratège. Vu qu'il était devant le personne tellement soifé du pouvoir, il s'est dit non. On doit y aller d'abord. Il fallait mentir. Oui. Non, pas mentir. Il vous a dit, nous y allons. Il fallait mentir. Il a menti, monsieur. Pas avec précipitation. Il a menti. Il a constaté que l'opposition était déjà prête. Il n'a pas donné une date. Il a donné la date. Dans autant de jours, je vais faire sortir un gouvernement. C'est du mensonge. Et je l'avais dit depuis longtemps qu'on ne peut pas... Écoutez, il y avait Musée à la tête de l'État. Vous l'avez déjà entendu mentir? Jamais. Jamais dans le public, il ment. Moi, je ne l'ai jamais connu menteur. Mais on assiste qu'à des mensonges. Ça vous engage, M. Moïse Ngongolo. Jusque-là, moi, je ne suis pas convaincu que le président en place, Joseph Kabila,
a jamais déjà, a déjà menti. Protégez-vous, a déjà protégez-vous, menti le peuple congolais. Nous avons des preuves de ces actions concrètes sur terrain. Passons un peu à l'affaire Kantchatch attaquée par les assaillants. Jusque-là, l'identité reste encore confuse en rapport avec ceux-là qui ont attaqué Kantchatch. L'opposition pointée du doigt par la majorité présidentielle. Oh là là. Surtout qu'on connaît Moïse Nkongolo pour ce point de vue beaucoup plus révolutionnaire. Qu'est-ce que vous en dites? C'est du n'importe quoi. L'histoire de Kantchatch, c'est du n'importe quoi. Moi, je le répète à vous que le gouvernement a la responsabilité d'expliquer au peuple ce qui s'est passé. Parce que le peuple se pose des questions. Et je ne pense pas que beaucoup de gens croient dans cette mascarade. Moi, je pense que c'est une vraie mascarade. Il suffit tout simplement d'analyser. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire que c'était une vingtaine de personnes. Eux-mêmes. Et ils nous ont dit qu'ils étaient armés de quelques revolvers, de quelques morceaux de bois ou des machettes. Vous pensez que la plus grande forteresse du Congo, qui est le Kantchatch, une vingtaine de personnes, on peut le contrôler par des chars? Voyons, c'est de la pire mascarade. Ça ne peut ressembler qu'à une mascarade. Et encore, ils disent, oh, il y aura une commission. Mais quelle commission d'enquête on a déjà fait sortir ici que nous connaissons? Ils étaient partis à Lubumbashi avec beaucoup d'argent pour aller faire une enquête sur les Bakatakatanga. Vous avez déjà eu un rapport de cette commission? Au Bas-Congo, il y a déjà eu un rapport? À l'Équateur, c'est les Ignélés. On a déjà eu un rapport. Et puis, on est en train de nous parler ici. Oh, ce sont les Ignélés de l'Équateur qui sont venus de Brazzaville. Messieurs, soyons sérieux. J'ai dit toujours, laissez l'Équateur tranquille. Ils ont suffisamment souffert. Quand vous montez votre propre mascarade, moi, je suspecte que c'est une façon de commencer à poursuivre les opposants. Vous-même, vous venez de le dire. Parce que on est en train de dire que ce sont des opposants. Vous avez vu un seul opposant là-bas. D'abord, est-ce qu'on a montré c'est qui? Ils sont dans l'obligation de montrer c'est qui. C'est ça le droit de la population. Non, l'opposition a toujours laissé quand même des traces qui étaient attaquées. De quoi? De Mukungubila. Les éléments, bien sûr. Bon, Mukungubila n'était même pas connu comme un opposant. N'était même pas connu comme un opposant. Il avait ses rêves, bien tout ça. Bien qu'il est pasteur, mais nous connaissons que ses idées étaient proches de l'opposition. Bon, en fait, moi je ne sais pas. Je ne connais pas Mukungubila. Mais je dis tout simplement que c'est aussi une affaire, une énième affaire. Parce que quand ils sont entrés là-bas, ils avaient aussi des morceaux de bois. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Un carnage ici à la RTLC. J'ai mon frère qui est dans le quartier. On a fait un carnage pour des gens qui sont venus avec des bâtons contre les journalistes. Quand même. Et le travail de la police, c'est quoi? Je suis en train de me demander. Maintenant, quand nous allons commencer à faire les meetings, on va nous faire sortir des avions, des chasses. Je suppose. Parce qu'il y aura plus que 20 personnes. À 20 personnes, on fait sortir les chars. Nous savons que notre gouvernement, notre pays est dirigé par des hommes responsables. Oh là là, oh là là, oh là, ça, ce sont vos propres. Des incompétents. Non, des incompétents. Ça vous engage. Oui. Moi, je suis à l'aise. Qui sont respectueux de la Constitution. Oh là là. Je vous ai parlé ici des exemples. Bon, où sont les provinces 7 s'ils sont respectueux de la Constitution? C'est pas dans la Constitution? Bien sûr, c'est vous-même là, vous vous contredisez. C'est vous-même là qui êtes contre l'organisation des élections en rapport avec ce qui vous est proposé par le président de la CENI et l'abbé Malou. C'est vous qui êtes contre cette proposition de l'organisation des élections d'abord au niveau non, de nous la base. Nous disons, il y a presque 10 ans qu'on a fait sortir cette constitution. Ok? Ils n'ont jamais appliqué ça. Jamais. Et à la fin du mandat du président, tout le monde est en train de s'acharner pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Nous disons non, il n'y a pas d'opportunité, nous ne sommes pas pressés. Les provinces, on peut le faire avec un nouveau président, avec une nouvelle assemblée. Où est le problème?
Parce que nous avons attendu pendant presque 10 ans. Nous pouvons encore attendre pendant 2 ans. Où est le problème? Où se trouve l'empressement? C'est quoi qui pousse les gens à être si étourdis? Voilà. Et vous, vous croyez que nous devons toujours avancer comme ça? Après les élections, on va faire tout ce qu'il faut faire. Mais il faut un nouveau Parlement, un nouveau président de la République. Et nous serons prêts. Croyez-moi. Merci, Moïse Nkongolo. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer? Non, ce que je peux dire à la population, préparez-vous pour le 4 août. Nous invitons tout le monde et les opposants vont parler. C'est un meeting de communication. Nous ne voulons pas un désordre. Nous ne sommes pas là pour créer le désordre. Mais nous voulons que les gens soient là pour écouter ce que l'opposition a dit. Parce que les journalistes continuent à parler d'une opposition divisée. Est-ce que vous avez déjà divisée. Demandé l'autorisation, là, quand vous appelez la population? Nous allons le faire. Nous connaissons l'opposition pour ce désordre. Non, ne vous en faites pas. On va appeler la population à un meeting paisible. Ils vont venir, ils vont écouter, ils vont rentrer à la maison sans problème. Le gouverneur de la ville est informé, les autorités du pays oui, est informé. On va le faire. Merci, Monsieur Moïse Nkongolo, pour merci nous avoir réussi. Merci, chers téléspectateurs, pour avoir suivi ce premier numéro de votre magazine Véracité. À la prochaine.